Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur cette récurrence de la combinaison de Andersen qui s'est produite plusieurs fois. Ici une partie de Alekhine contre Levenfish à Saint-Pétersbourg en 1912. Le trait est au blanc et les blancs jouèrent Dame E2. Un très bon coup. À nouveau, ce pion empoisonné, Dame prend B2, moi empoisonné ici. Cavalier B5, un excellent coup. Assez piégeux. Si A prend B5, alors fou prend B5, échec. Roi D8, tour D1, échec. Fou D7, fou E5, dame B4, échec. C3, dame A5, fou prend F6, E prend F6, et tour prend D7. Échec et gagne. Donc, remettons les pièces. Donc, Levenfish avait dû voir cette variante, tout simplement, il a opté pour une autre variante. Après dame E2, dame prend B2, cavalier B5, alors dame prend A1, échec, roi F2, dame prend H1, cavalier C7, échec, roi D8, dame D2, échec, fou D7 et E prend D7. Et les noirs abandonnèrent car ils sont absolument sans aucune défense contre la menace cavalier E6, échec et mat. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.